commencé vraiment au 14e trou de vraiment être sérieux, puis la tension était là parce que c'est vraiment une bataille entre moi et Grace qui est en train de faire beaucoup de birdies, puis moi je faisais juste des parts, donc on s'en venait à égalité. Puis au 16, après le 16e trou, après qu'elle a fait son 3e birdie sur le 3e 9, on était devenu égal. Mais pour moi, ça a dit ok, reste concentré, puis joue ta game. Puis au 17, vraiment un bon coup de wedge pour faire un petit birdie, puis tomber à un over total au 18, finir avec un beau birdie pour contrôler le tournoi. C'est ce qui a été plaisant. C'est sûr que la pression était là. Il y a des coups que vraiment je chantais mon cœur de battre, puis je disais que j'essayais de me calmer, mais. Je suis vraiment rester concentré sur mon jeu, puis d'être patiente, parce qu'aujourd'hui ça a été quand même assez long, puis de parler, de se détendre, ça a vraiment été un atout. C'est ça, le pote, j'avais un petit pote en montant, mais en même temps, vraiment ce que dans ma tête c'était, tu le fais ou garde le prochain? Je voulais vraiment pas me garder comme le défoncer de trois pieds ou faire un testeur, c'était vraiment de le garder proche du trou, puis je l'ai poté avec confiance, puis c'est là que je l'ai mis dans le trou. Belle condition. Pour moi, c'est vraiment un honneur de remporter ce championnat-là parce que, tu sais, après une bonne saison universitaire comme ça, tu reviens au Québec, c'est les premiers tournois au Québec. C'est toujours le fun de jouer à la maison, comme on peut dire. C'est vraiment. C'est comme fébrile un peu, c'est vraiment plaisant.